Zaz sur le plateau de CAC 48. Un nouveau matin de croisière, un orphanat, passé au bleu, nos devantures, et jusqu'au peu de nos voitures, des entrées, tous nos musées, chambler les Champs-Élysées, emmailloter la terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les radars d'air, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à se brille, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et on nous contraindra à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le groupe et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger à nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Octobre, hier on soit beaucoup plus sobre, bien moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté s'amoyante, moins effrontée, moins flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même pas de loin de canon ronde, sa tenue est encore plus jolie. Limite ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Zaz qui vient de mettre le feu au studio 40. Fantastique Zaz. Bonsoir Zaz. Salut. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de CAC 48 et je pense que je ne suis pas le seul. Quel talent. Allez, hein. Bienvenue en Belgique. C'est cool de revenir, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ouais. Ouais, il fallait qu'on vous invite absolument. Dites, alors, extraordinaire, quand j'ai lu ça, j'étais assez étonné. Vous avez travaillé avec Quincy Jones. Quincy Jones. Non, pas Quincy Jones. Ah, Quincy Jones. Non, c'est pas le... Parce que Quincy Jones, j'y arriverai, hein, Quincy Jones. C'est en fait le producteur de Michael Jackson. C'est... Un petit peu. Entre autres, oui. Ouais, entre autres. Et de Zaz aussi. Ben aujourd'hui, oui, pas producteur, il a arrangé des chansons. Etc. Il m'a pas produit. Hein. Non, mais enfin, en fait, vous avez travaillé avec lui, c'est quand même. C'est vrai que c'était dingue. Ce garçon est un mythe, quoi. C'est une légende. Et c'est un homme très simple et très coquin, très coquinou. Ah bon. Ah oui, c'est un coquinou. En plus. Et, on en et Clayton les choses, hein. Aussi, parce qu'il y avait Clayton avec lui, ça. John Clayton, ça. Les deux là, c'est. C'était cool, quand même. Dites, vous n'êtes pas parisienne de souche, en fait. Hein. Non, je suis arrivée à Paris en 2006. Vous êtes une tourangelle. Ouais, mais j'ai habité beaucoup plus longtemps à Bordeaux. D'accord. Tourangeau, on dit pour les hommes aussi. Ouais. Tourangelle. Et aujourd'hui, Paris est une ville qui vous a adopté ou que vous avez adopté? Bah, de toute façon, à partir du moment où je suis bien dans un endroit, je suis de l'endroit. Donc, parfait. Donc, vous avez décidé que. Moi, je me sens montagnarde. Alors, et j'espère que ce soir, vous vous sentez un petit peu belge et surtout investi d'une mission pour nous, c'est de soutenir CAC 48 et de lancer un petit mot aux téléspectateurs qui nous regardent. Il y en a peut-être parmi eux quelques-uns qui hésitent éventuellement à donner à CAC 48. On voudrait que vous leur lanciez un petit message, là, pour qu'ils puissent lancer un don. Voilà, regardez, c'est la caméra qui s'allume maintenant. Allez-y, parlez. Bah, on pourrait tous se retrouver dans ce cas-là.
Ça peut arriver, ça aurait pu arriver. Ça coûte rien de donner 1, 2, 3, 5 euros. Si tout le monde donne un petit peu, bah, on fait des grandes choses et puis ça aide énormément de gens. Et franchement, enfin, on a besoin, quoi. Merveilleux. Merci, Zaz. Merci. Et on rappelle la sortie de votre album à Paris le 10 novembre. Merci, Zaz. On vous attend au call center. C'est pas terminé pour vous, hein. Pour enregistrer les dons de nos téléspectateurs, 0800 948 81. Restez encore, prenez-moi quelques secondes. J'adore ça.